Alonso admire les capacités d'Alonso à lire la course. L'Asturien s'est une nouvelle fois montré très concentré sur les écrans du circuit. Il a anticipé l'approche de son équipe face aux situations possibles. Oh, il est trop fort, Fernando. C'est le meilleur. Pourquoi ne... Comment vous pouvez ne pas l'aimer, Fernando? Je ne comprends pas. C'est pourtant le meilleur pilote du monde, nous dit son fan dans les commentaires. Ah bah oui, on peut ne pas aimer des pilotes même s'ils sont très bons. C'est comme ça. Certains n'aiment pas Hamilton, certains n'aiment pas Verstappen. Ah, c'est comme ça, on peut pas aimer tout le monde. Hein. Au 16e tour, Fernando voit sur les écrans du circuit qu'une des Ferrari est entrée dans la voie des stands et demande à son ingénieur. Qui est la Ferrari qui s'est arrêtée? C'est Sainz qui s'est arrêté. Plus tard, au 33e tour, Russell est 4e à 2 secondes d'Alonso, le pilote d'Aston Martin demande. Combien de positions perdrons-nous si la voiture de sécurité sort? Ce à quoi son ingénieur répond. Tu lis dans nos pensées, nous venons littéralement d'en parler. Si tu t'arrêtes maintenant, tu perds 4 positions. Alonso, il va pouvoir se reconvertir en ingénieur de course en fait. Plus tard, c'est ça le truc. En plus, il serait efficace, je suis sûr. Il a sans doute été très attentif à tout ce qui se passait sur la piste dans les stands, une qualité qui a une fois de plus permis à Alonso d'obtenir un bon résultat, même si ce n'est peut-être pas de la manière la plus orthodoxe qui soit. Tout le monde chez Aston Martin est très satisfait de la performance du pilote espagnol et n'en attend pas moins de lui pour les prochaines courses. D'autre part, ça ne serait pas la première fois que Fernando démontre ses capacités de lecture de la course. Par exemple, lors du Grand Prix du Qatar 2021, il a deviné que Pérez s'arrêterait à nouveau. C'est précisément ce qui s'est produit et Fernando a décroché son seul podium avec Alpine. Il est voyant. Tu peux nous donner les numéros du loto, Fernando, s'il te plaît? Non, c'est pas possible. Dommage, hein. Allez, je vous laisse commenter.